Bah, la photo, en fait, ça fait longtemps. Ça fait, je crois que j'ai acheté mon premier 24-36 à 14 ans. C'était un achat déjà important pour moi. Parce que ça me plaisait. Après, j'ai arrêté pendant des années. Et Tara, ça a été un peu la reprise. J'ai repris la photo avec Tara parce qu'il y avait des voyages. Ce qui est intéressant sur Tara, c'est que on n'est jamais au même endroit. Moi, depuis 5 ans, j'ai fait pas mal de pays. À chaque fois, c'était différent. J'ai rencontré pas mal de gens, pas mal de paysages différents. Tous les matins, c'est différent. Voilà, chaque escale est enrichissante. Voilà, à chaque fois, on essaye de faire des photos, des sujets différents. C'est ce qui est intéressant, en fait. Bah, quand je me balade dans les rues, j'aime bien prendre les gens en photo. J'aime bien aller voir les gens où ils habitent, voir rentrer dans le cœur de la ville en fait, pas uniquement rester sur le port et prendre du paysage. Bah, Beyrouth, c'était l'exemple, vraiment le bel exemple, parce que c'est une ville qui a une histoire fabuleuse, donc il y a plein de traces de l'histoire de Beyrouth dans les rues. Il y a plein de gens différents, plein de cultures différentes. Ouais, dans Beyrouth, je suis allé dans les marchés, on est allé se balader dans des endroits où on n'aurait peut-être pas dû aller, mais bon, voilà, fallait rentrer dedans, fallait. C'est comme ça qu'on ramène des belles photos aussi, hein, c'est pas en restant sur le port. Donc voilà, on a ramené des belles photos, effectivement. Quand je suis en navigation, j'aime bien aller dans le mât parce qu'on a une vision un peu différente du bateau. Quand il y a les voiles, c'est intéressant parce qu'on voit le bateau bouger, on a une vision de la mer qui est différente. Et puis c'est vrai que je suis assez attiré par le haut, donc maintenant c'est un peu nouveau sur Tara, là j'ai réussi à avoir un drone. Donc là j'essaye d'avancer là-dessus et je pense qu'on va faire des belles images avec le drone prochainement. C'est assez long, faut apprendre à piloter, faut bien maîtriser l'engin. Donc il y a eu quelques chutes, voilà, il y a eu quelques accidents, mais bon ça commence à venir là, donc on espère que ça avance tout doucement, mais ça avance.